Passer du coq à l'âne, ça veut dire passer d'un sujet à un autre sans rapport logique. Par exemple, hier je suis allé faire du kayak. Bon, tu vas me dire que je passe du coq à l'âne, mais tu n'as pas un verre d'eau, j'ai soif. Alors, ne pas avoir à s'en faire, cela signifie qu'il ne faut pas s'inquiéter. Par exemple, nous allons prendre la route cette nuit, ne t'en fais pas. Je donne ma langue au chat. Cela signifie que vous abandonnez lorsqu'on vous dit une énigme, que vous capitulez. Par exemple, l'énigme d'Oedipe qui marche le matin à quatre pattes, le midi à deux et le soir à trois pattes. La réponse est l'homme, mais si vous ne la savez pas, vous dites « je donne ma langue au chat ». Avoir un poil dans la main. Cela signifie qu'on est fainéant, qu'on est passif, qu'on ne veut rien faire. Par exemple, si vous arrivez à l'école sans avoir fait vos devoirs, votre professeur peut vous dire « mais c'est pas possible, tu as un poil dans la main ». Courir sur le haricot, cela veut dire que quelqu'un nous énerve. Par exemple, si vous êtes en train de dire à maman « oui, je veux cet objet, je veux cet objet ». Elle est fatiguée, elle va vous dire « tu commences à me courir sur le haricot ». Il n'y a pas de quoi fouetter un chat, cela veut dire que on fait un drame autour de quelque chose qui n'a pas vraiment de valeur. Par exemple, « Maman, aujourd'hui, j'ai eu un problème avec Thibaut. Il m'a pris mon stylo. » Et votre mère peut répondre « Ça va, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. » Tomber dans les pommes. Tomber dans les pommes signifie que l'on s'évanouit. Par exemple, il y avait cette odeur nauséabonde, je ne la supportais pas, je suis tombé dans les pommes. Poser un lapin. Cela signifie que quelqu'un n'honore pas un rendez-vous. Par exemple, si vous avez attendu toute la journée, vous pouvez dire « j'ai attendu toute la journée, il m'a posé un lapin ». Être sur son 31. Cela signifie que vous êtes élégant. Par exemple, si vous allez à votre bal de promotion, votre mère peut vous regarder, vous êtes dans votre plus bel habit, et elle vous dit « comme tu es beau, tu es sur ton 31 aujourd'hui ». L'habit ne fait pas le moine. Cette expression signifie qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Par exemple, si vous voyez quelqu'un de bien apprêté qui s'approche de vous et qui veut vous vendre un produit, votre mère peut vous dire « fais quand même attention, ne te fie pas aux apparences, tu sais bien que l'habit ne fait pas le moine ».